Allez, salut à tous. Bon, encore un petit run rapide. C'est mon dernier week-end avant mes épreuves. Donc, je sors vite fait. Petit run parking. Même si là, on a eu une petite semaine où il a fait pas trop dégueu. Mais bon, j'ai quand même pas envie de tenter le diable, aller dans les bois, etc. Donc, petite sortie parking. J'ai ressorti la Kyosho Purten. J'ai fait une petite modif au niveau des... Au niveau de la prog, j'ai baissé un petit peu le frein parce que c'est vrai que je n'étais pas satisfait la dernière fois là. Dès que je touchais les freins, après ça a à voir aussi avec le vario surpasse, hein, c'est un vario pas cher. Ouais, j'étais pas satisfait parce que dès que je touchais les freins, elle était réglée sur 50, j'avais l'impression que ça me bloquait directement les roues. Bon, là j'ai vite fait un petit essai en statique dans le garage, ça a l'air beaucoup plus doux. On va voir maintenant comment ça se comporte directement sur la route. On va voir ça. Et puis voilà, j'ai fait aucune autre modif. Là c'est vraiment un petit roulage détente, histoire de décompresser. Un petit coup. Ok, on est bon. Allez, prenons un moment. Hop. Pareil, j'ai essayé de voir à refaire la. Le neutre, etc. parce que je suis obligé de trichouiller un petit peu avec le trim des gaz pour avoir un petit peu d'allonge. Parce que sinon, d'entrée de jeu, c'est quand même assez mou. Ouais, là, je suis à fond. Hein. Donc c'est pas fou quoi. Après, je vais mettre un petit peu de trim des gaz. On va juste chauffer un tout petit peu réveiller les pneus. Au niveau du frein. Ouais, ça me plaît un peu mieux. C'est pas violent, mais au final sur parking. Y a pas besoin d'avoir un gros freinage quoi. Enfin moi j'ai pas besoin parce que comme j'attaque pas, je suis tout seul là. Je laisse couler, ça économise en plus. Enfin, je relâche les gaz quoi. Bon, je roule la Purten en premier, j'ai ramené le 8TC, ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas roulé. Je lui ai mis des petits pneus GRP S2 pour parking, froid et sale. En 6S, hein, bien sûr. Ah, le parking, le circuit est grand pour elle. Hein.
Alors c'est sympa, j'aime bien les petites indixièmes pistes comme ça, c'est rigolo. Mais le problème, je trouve, c'est quand même, c'est arriver à trouver des pneus, quoi. J'aimerais bien que... qu'il y ait des pneus un petit peu thermogomme, là, qu'on peut avoir avec GRP, SP Racing, PMT, tout ça. Ça pourrait être pas mal, quoi, parce que là, c'est que des pneus bah, caoutchouc. Après, il y a les pneus mousse, mais bon, là, sur un parking comme ça, ça va se défoncer en 2-2, quoi. Loupé, trop de gaz. Rien le pavé quoi, après de ouf. C'est vrai que j'y colle ma montre à l'intérieur. Ouais, avec le trim là, je suis obligé de... Faudrait que j'y colle ma montre dedans, je sais pas comment je pourrais faire. Autre mode vélo peut-être, sur l'aileron. Vélo, pour qu'elle prenne la vitesse. Viens voir. Viens voir un coup. Juste pour rire. Grosso modo un peu C'est exactement ce que je voulais. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, est-ce qu'on a la vitesse max? Est-ce que c'est donné? Vitesse moyenne, fréquence cardiaque, même la fréquence cardiaque. Ouais, faut que je regarde peut-être sur la... sur le téléphone. Alors, c'est là, c'est... Merde. C'est le truc du pauvre, hein. Dire là, détail, ah, vitesse max, je peux te l'avoir, 54,8, ouais, on réessaye, et peut-être plus de trim encore,
Allez, réessayons. Quasi plus de frein là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Après, il y a le poids aussi, hein. Il y a le poids de la montre, hein, qui me ralentit forcément, hein. Bonnes excuses. Tac, détail. 55. Ouais. Bon, voilà, on est sur un 55. On n'ira pas beaucoup plus loin. Après, je me tâte. Je sais pas si. Je sais pas si la Mecha, elle arriverait à tenir quand même un petit combo 3S. Je sais pas. Ce serait à tester un jour. Un jour ou l'autre. Bien éclatax. Oh, c'est plus dur d'ici. Oh, la poubelle. Bah alors, j'ai tellement pas envie de me l'envoyer dans les jambes. Ah, loupé.
J'aime bien le petit bruit qu'elle fait quand elle... Ouais, pas mal ça. J'allais dire une connerie. Est-ce qu'on commencerait à avoir du grip? Mon cul. Mon cul, on a du grip. Trop de gaz, Bobby. Trop de gaz. Je vais peut-être abuser sur le trim. Il n'y a jamais personne sur ce parking là. Il y a des livreurs, il y a des gens là. Barrez-vous, c'est mon parking. Alors, les pneus, ça tient le choc. Hein. Ça tient le choc. Je vais juste checker un petit peu la lipo là. Est-ce que j'ai pris... Ouais. Est-ce que j'ai pris mon bordel là? Bon, ça va mieux le frein, ça me va au final comme ça, c'est plus doux. Ça évite que les roues se bloquent là, parce qu'au final je perdais complètement le contrôle. Ouais, bah 361 en fait, c'est pour ça que j'avais un petit peu moins de gaz. Je pense que je suis en coupure. Bah voilà, c'est bien. On n'a pas de... Ah, tous les cailloux. Ouais.
Mine de rien, les pneus là, ils tiennent le choc quand même, ceux-là. Là. Après, c'est parking froid. Je suis pas sûr que l'été ça tienne aussi longtemps. Un carreau avec le plot là. Non, ça va. Une petite boque. Rien de méchant. Rien de méchant. Non, ouais, ça tient bien. Les noix. On est quand même assez libre à l'arrière. Bon, ben voilà. Ben, ce qu'on va faire maintenant, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le 8TC. Lui, le moteur, il est comment? Ouais. Le moteur, là, il est froid. Hein. Froid, hein. Lui, il est froid. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je pourrais pas encore abuser et mettre un pignon encore plus gros? Est-ce que... Là, ça va être un pignon de 20 ou 21, un truc comme ça. Est-ce que je mettrai pas un truc, encore un 22, 23 peut-être, voire je dois avoir un 24 en plus du max qui traîne, comme c'est du module 1, de pouvoir passer, après j'essaye. Hop là. Bon, et ben, ouais, putain, ça me mange le doigt. Bon ben voilà, voilà pour lui, maintenant on va attaquer le 8TC, le 8. Et voilà. Et voilà pour lui. Bon, je vous laisse là-dessus. Je reprends une autre fois pour le 8. Allez, salut.